Ouais, mais Devenu Dimanche, je ferai pas plus, je filmerai que celui-ci parce que pas grand-chose à dire bizarrement très vite. Parce que c'est du combat en fait. Vous avez toutes les infos? Limite, je pourrais accélérer, mais je suis pas sûr que ça va aider beaucoup. Vous êtes les gros? Ouais, vous êtes les gros. Par contre, je sais pas si les armes maudites, ça peut aller juste... Enfin, c'est 9999 max pour les dégâts donnés bonus, ou si ça peut monter plus haut. Ça peut avoir la... le coup de se poser la question, mais... Fogald, parfait. Encore 13. Ah, par là, je peux pas aller plus loin. Là, je suis où déjà? Je suis à Erealumen. Ah vache, est-ce que je vais vraiment traduire ce truc en sachant qu'il y a quasiment rien d'écrit dedans? J'ai pas envie. Attendez, par là, je suis allé, il y avait rien, je crois. Là-bas, on a eu un coffre. Il y a pas d'autres coffres? Il semblait que j'étais passé devant d'autres choses, mais par là je peux pas y aller. Ah si, ouais, c'est bien. Un autre Fogald. Vous voyez, c'est complètement aléatoire. J'en ai eu deux dans une seule zone. Il aurait pu y avoir de la gelée d'orange dedans. Voilà. Ah ouais, ce bateau. Alors c'est juste un décor, on n'a pas Bocos, mais... Dès que vous y allez, ils y sont, tous les deux. Souvenir d'un décor. Et souvenir de Bocos. Eh, hey, je m'en suis envolé vers d'autres cieux. Pourtant, j'ai gloire d'équipe, hein, je vous jure. Ça, ça se voit, là, j'ai pris 28 de dégâts, je peux pas vaciller. Quoique la barrière me... Ouais. J'ai cru que j'avais eu. Les deux. Des niveaux dans tous les sens, des niveaux dans tous les sens. Une gelée de citron. Ah, où on en est? On est juste à la moitié. Enfin, un peu au-dessus de la moitié. Là, on est à Koi. Mais rien de spécial avec ça. Par curiosité, j'aurais dit que toi, ça y est, t'as dépassé là, ton marteau perforant. Ah non, pas encore. C'est vrai qu'il donne, il donne des défenses, il frappe foudre, entre guillemets. C'est un plutôt bon marteau, hein. Ouais. Hop là. Donc là, à l'origine, on était littéralement tout au sud du donjon, du labyrinthe. Là, on est en train de remonter tranquillement vers le centre. Puis après, on va arriver vers le... Et ensuite, on va faire tout le tour vers le haut, puis redescendre. Je sais, c'est bizarre. C'est normal. J'ai déjà analysé. Ouais, t'es le bec là, machin chose. The sign of nothing. J'ai déjà perdu. Pourtant, je connais ces bois. Ok, on a un coffre là, mais malheureusement, j'ai raté des ennemis. Donc, faut se souvenir qu'il y en a un tout au fond. Ce qui est bien, parce que l'ennemi que j'ai manqué est probablement tout à fait de l'autre côté. Là, il n'y a rien, mais je m'attends à ce qu'il y ait un point de départ là-bas après.
deuxième coffre ici. Et bien sûr, donc, je dois avoir un monstre qui traîne là. Quelle surprise! Ah, et c'est que des loups. Vous savez quoi? Amusez-vous. Oh! Mur invisible. Mur invisible. Ok, alors lui, par contre, il est pas courant. Et t'as vu, alors je t'analyse. Ah, peut-être. Casque sauvage. 75, 40 000 PV. Et voilà. Des bois de koi, on peut aller dans deux directions différentes. Oh, mais moi j'ai essayé d'aller en direction du griffon. Mais pour aller en direction du griffon, il faut que je prenne sud-ouest. Donc là, comme prévu, voilà un truc, mais c'est pas celui que je veux prendre justement, parce que ça c'est plutôt nord-ouest. Quelque chose, je sais pas, c'est compliqué. Ça, c'est nul. Voilà, c'est ici. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Ici, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a qu'un seul ennemi et il est tout en haut. On se souvient bien. Voilà les deux coffres déjà. Et elle a un peu de mal à sortir de la zone. Elle a une musique de monstre Giganto à côté, ils peuvent pas vraiment remettre les autres musiques puisque elles ont un peu. Ah, souvenir de Chroma Dragon. Ah, je me souviens quand on t'a tapé dessus. D'ailleurs, c'est quand j'y pense. Grand ours, lance sacrée, anneau d'ange. Je les avais tous désactivés pour Duke, bien entendu, parce que je voulais qu'elle soigne et pas qu'elle lance des sorts. J'avais déjà deux lanceurs de sorts qui ont fait un très bon job. En vérité, Rita a fait plus qu'un excellent job. J'ai gagné grâce à elle, parce que elle spammait tellement les embêtes. Elle était tout le temps en train de lancer un sort quelconque. Elle s'est presque jamais fait attaquer. Faut dire, je pense que je gardais bien la grosse sur cet imbécile de Duke. Je m'en fiche, j'ai gloire, tu peux pas me choper avec ça. Ah, elle est en limite, tiens. Loop arc-en-ciel. Pour moi, un truc de synthèse. Chroma, il n'y a qu'un seul endroit où on peut en sortir, donc au moins ça, il n'y a pas de risque. Et après ça, ok. Après ça, c'est quasiment qu'un seul chemin. Anneau d'émeraude. Ben, c'est pas souvent puissant, parce que de toute façon, il y a d'autres équipements qui peuvent être sympas à équiper, mais... Ça fait plaisir. Un anneau ferré qui aurait été mieux. Ah, Tarkaron. Heureusement, ça, c'est pas dur. Il n'y a pas loin. Allez chercher. Parce que notre adversaire est juste là. Ah, résistance à la lumière et à l'air. Et il a combien? 300. Arrêtez d'esquiver, arrêtez de fuir.
Ouais, ça fait pas très très mal à Flynn, parce qu'il a une résistance à la lumière grâce à sa cape de paladin. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, le donjon bonus, c'est la raison pour laquelle je ne voyais pas l'intérêt d'aller farmer les dégâts pour le titre. Alexandrite. Alexandrate. Genre là, par exemple, on était à 56 millions avant, et maintenant on est à 59. Donc, le temps d'avoir fini le donjon bonus, au moins la première fois, je pense qu'on aura peut-être le titre. Pierre de Lune. Pas si mal. Moi, c'est ceux ici que je veux prendre. Bon, allez, je vais aller taquiner le griffon parce qu'il va falloir que j'essaye de récupérer son drop. Et après, il faudra que j'aille tabasser le raptor. Mais je sais plus où il est, le raptor. Pterobronque ? Ouais, non, c'est le pterobronque qu'il me faut. Il est dans le chemin opposé, donc ça sert à rien. Mais voilà, ben c'est surtout parce que à la fin, en fait, vous n'avez pas tant de choix que ça. Enfin, vous avez 4 chemins différents, mais en fonction du chemin que vous avez déjà choisi, vous en avez que 2. Et ben idéalement, il est conseillé d'aller affronter les trucs qui vont doivent vous donner des choses dont vous avez besoin. Donc là, normalement, je devrais être à voilà, allure. Et si j'y mets loop magique. Niveau 65, faiblesse au feu. Le pauvre. Oh, le pauvre. Croc de grand loup, pas mal. Notez que les drops rares ne sont pas automatiques, donc là, il aurait pu ne rien me donner du tout, et c'est justement ce qui m'inquiète, parce que... Ouais, là, ça va, 137 000 gales, tout d'un coup, ça monte un petit peu, c'est un bon moyen de rafler pas mal de pognon, mais normalement, si vous avez utilisé... Le poker, vous devriez être richissime. Je veux dire, moi j'avais 4 millions et il me reste quand même pas mal. Et voilà notre ami, le griffon. Bizarrement, il est beaucoup plus facile à trouver ici. Hein. Oh non, j'ai enfin rencontré le griffon, mais je n'ai plus de loup magique. Il y a toujours le bec infini, mais malheureusement, ça va pas très très bien marcher. Surtout avec moi qui ai gloire et le fait qu'on va lui démonter la France. Mais c'est vrai que je dois peut-être remettre Rita à terme. Une fois que j'aurai son titre, cherche. Vous savez quoi, j'irai le chercher après donjon. Oh, parfait, griffe de griffon. Comme ça, je pourrais fabriquer le truc qu'il fallait. Fogald, en plus. Vous voyez, donc parfois, de manière aléatoire, vous en donne un. Coffre ici. Quasi 200 000 galds. Enfin, 180 000. Sauf si j'ai mal lu. Et tant pis alors. Encore 200 000 galds, donc le pognon va effectivement... En fait, c'est la manière du jeu de vous donner masse d'expérience, masse de drops rares ou que vous auriez pas normalement autrement. Et plein d'expérience de sorte que vous pouvez aller rouler sur tout ce que vous voulez. Je sais pas à quoi ça sert, étant donné que voilà, mais ouais. Ici, par contre, c'est que des boss. Hein. Les petits ennemis, c'est au début, là maintenant, c'est que du beau boss. Hein. Et j'ai l'impression que c'est majoritairement des Giganto. Il n'y a pas que de ça, mais... Ouais. Faut dire à côté, ils sont enclinés à faire ces boss autant qu'ils les réutilisent, vous me direz, non? En fait, ce qui m'ennuie, c'est que Carole, ben. C'est pas Carole, surtout, c'est Judith, tend à avoir beaucoup d'arts qui sont basés sur renverse l'ennemi au sol. Et c'est très lourd, puisque moi, je voudrais pouvoir les comboter ad vitam aeternam. Aile de taureau, Fogald, on est combien des Fogald? 5 déjà, pas mal, j'en ai obtenu 4 pour le moment. 2 dans des coffres et 2 pas dans des coffres. Pas de coffre. J'en vois un au fond. Barrière. C'est bien, il n'y en a plus maintenant.
Mais ouais, donc on entre là-dedans pour arriver cette fois-ci. Contre machin! C'est l'avant-dernier. Donc ça sera que deux épisodes. Hein. Je vais pas voir l'intérêt d'en faire 3, 4, 12, 27, 32. Et le reste des zones, je les referai moi-même. Mais en gros, en fait, je mentionnerai tous les boss qu'on n'a pas affrontés, mais qu'on peut voir. Parce qu'après, ils sont tous les mêmes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand intérêt à les montrer nécessairement. Yeah. Mais il est indispensable pour vous de les revoir et de les affronter si vous essayez d'avoir le compendium et les trucs comme ça. Et livre des monstres. Et là, par exemple, vous voyez, il m'a rien donné. Donc là, c'était Médusa. 150 000 gald. C'est bien, ça peut être plusieurs centaines de milliers de gald ou un faux gald. Vous voyez, c'est pas genre plusieurs centaines de milliers de faux gald. Ça se demandait aussi où ils mettent toutes les pièces. Bon, pour ça, ils sont si forts. Ils sont obligés d'intramaler une vraie fortune. Et ici, nous devrions affronter... Ouais, lui. Sa forme 2. Il a sa musique et tout ça aussi, hein. Mais le problème, c'est que par contre, là, c'est vengeance, mon gros. Cette forme-là était même pas à ce point dangereuse, c'est l'autre qui avait des statistiques super boostées. Il a quand même scellé les arts de Carole et... C'est mal, lui. Enfin, pas tant que ça, en fait. Plein d'XP partout. Un omnidiviseur, ce qui est pas si mal. Une jolie miracle, ce qui est ben, normalement pas si mal, mais voilà, et un seul chemin, bien sûr, qui nous amène pile à la sortie. En vérité, on avait un autre chemin normalement, mais on n'aurait pas pu le prendre parce qu'on n'a pas les 15 fogales. Alors, que j'aille vérifier par principe. Voilà, 60 millions 100 machin, chose bidule. Donc on va aller récupérer ce titre et comme ça je serai tranquille. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je veux dire, il n'y a pas non plus beaucoup plus à en dire dessus. C'est relativement sympathique, mais c'est vraiment plus en mode gros bourrin. C'est-à-dire que vous allez vous rouler sur tout le monde avec des armes surpuissantes. Parce que en fonction du personnage que vous avez le plus joué, c'est celui qui aura eu normalement le plus d'ennemis vaincus en général. Et ça devrait vous permettre de... d'avoir des dégâts colossaux à la fin du jeu. Mais donc maintenant, normalement, si je me rends vers le passage de gauche, nous avons ce type. Ah oui, ceci est pour vous. Mais c'est une robe de combat de mage. Oui, elle a été faite sur mesure pour vous. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Eh bien, vous nous prenions pour une simple gamine, mais nous avons pu apprécier votre valeur. Eh bien, pas totalement, mais... Oui, vous faites la fierté et la joie d'Aspio. C'est vrai? Katie, vous n'êtes pourtant pas de genre émotif. Eh bien, voilà. Bonne chance. Waouh. Rita, dépêche-toi de l'essayer. Oh, bon sang, c'est trop mignon et ça te va très bien. C'est vrai, tu trouves? Cette robe est la marque d'un vrai chercheur. Plus que ça, c'est la marque du chercheur reconnu. Ça te convient parfaitement, Rita. Mais j'ai besoin d'en avoir fini avec mes recherches. Il me reste des tas de choses à apprendre. C'est ce qui te plaît, non? On a beau étudier, étudier, il reste toujours quelque chose à découvrir dans le domaine de la magie. Il y a tellement de mystères. C'est comme un oignon dont on enlève les couches à l'une après l'autre. Alors, tu as gardé cette tenue? Oui, avec plaisir. Je me sens plus grande et plus fière quand je la porte. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon esprit déborde d'idées avec ça sur le dos. Bonne chance, Rita. Je vois, je commence à comprendre pourquoi tout le monde traite Rita de cinglée. Voilà! Elle voyage pour découvrir les mystères du monde. C'est plus amusant que le labo. Malheureusement, ça fait que la gemme mystique, on la voit plus vraiment.
Le masque de Harold, je le trouve bizarre et un peu trop flashy. Ça lui va pas du tout. Le rouleau géant fait ridicule. La corde sacrée fait un peu pas visible du tout. Et ben là... Oh ! Ah bah si, maintenant on peut la revoir. C'est juste qu'il fallait que je la rectifie, a priori. Bah parfait, elle va garder cet ensemble-là, il est pas si mal. Et tant que nous y sommes, donc normalement, j'ai dû visiter tous les lieux avec Estelle dans l'équipe, de sorte que je devrais pouvoir obtenir son titre à elle. Par contre, il y avait le titre des points de sauvegarde, je sais pas. On dirait que je me renseigne, en fait. Ça se trouve, il n'existe même pas et j'ai raconté n'importe quoi depuis le début. On dirait que j'aille me renseigner, il me semblait pourtant qu'il y avait un titre comme ça. Ou peut-être qu'il est lié à le titre qu'on va récupérer là. Ce n'est pas impossible. Donc lui, si je lui parle, je pense qu'il va dire qu'on a juste vaincu voilà, une bête énorme pour ne pas rester vous reposer, pourquoi pas. Dodo! C'est une carte, n'est-ce pas? Oui, je réfléchissais à tous les endroits où nous sommes allés. Oh, ce que je vous envie. Mais vos voyages ont dû vous conduire dans des tas d'endroits, vous aussi, non? Eh bien, nous restons à l'écart des villes et des lieux étranges, alors. Oh, c'est vrai? Oui, un chariot servant d'auberge n'a pas sa place dans une ville, vous ne trouvez pas? Peut-être. Oui, et nous évitons les forêts obscures, les défilés, ces endroits sont beaucoup trop dangereux. Ah! Vous pouvez peut-être me parler des endroits où vous êtes allés? Les endroits où je suis allé, Oui, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup. Eh bien, dans ce cas, Adol, il y a eu la capitale. 2 heures plus tard. Et ensuite, nous avons quitté le village mystérieux et poursuivi notre route. Waouh, vous avez beaucoup voyagé. Eh bien, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Oh, il se fait tard. Oh, je suis désolé, j'ai complètement perdu la notion du temps. Non, ce n'est rien. Si vous revenez, vous pourrez peut-être me raconter d'autres histoires. Oui, bien entendu, je reviendrai. Je suis impatient de connaître la suite. Non, je me souvenais que c'était princesse aventureuse et pas princesse curieuse, mais l'un comme l'autre, ça marche. Ce n'est pas un titre costume, de ce que je sais. Ouais. Elle est fascinée par tout ce qui l'entoure. Bon, bah écoute. C'est ce que je te dise. Ah, et avec ça, je crois que ça représente littéralement tous les titres pour Estelle. Parce qu'en vérité, il me manque le titre des vols sur repeat, qu'il va falloir que je farme un petit peu. Il y a les 255 plus combats à faire en difficile. Et un titre qui, en fait, est quasiment infaisable, si vous voulez avoir en plus le titre du compendium, et qui, en plus, est super dur. Sauf si vous êtes en New Game Plus, et que, bah, vous avez, expérience doublée, ou que, x10, etc. C'est qu'il ne faut pas utiliser un seul objet en combat. Jusqu'à arriver à Barboss. Barboss inclus. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous fassiez le chapitre 1 du jeu sans jeter un seul objet en combat. Et sauf erreur, ça inclut les loops magiques. Je vais me renseigner pour voir si c'est le cas ou non. Mais déjà, c'est relativement dur. Parce que je veux dire, Gattuso, Barboss lui-même, pas non plus si simple que ça. Je pense que ça demande un petit peu de niveau bonus pour réussir à tous les passer sans utiliser d'objets de soin. Mais bon. Donc avec ça, je pense que je vous retrouverai la prochaine fois. Normalement avec les 15 Fogald. Pour qu'on puisse retourner probablement vers la fin du labyrinthe des souvenirs, histoire de pas le remontrer une énième fois, de sorte qu'on puisse justement faire atteindre la zone aux 15 Fogald et qu'on puisse j'espère que j'en aurai plus que 15 en plus non, et qu'on puisse avancer. Je risque aussi d'être allé fabriquer synthétiser tout ce qui manque. Parce qu'il ne doit pas manquer grand chose. Et j'aimerais juste que tout soit prêt en fait. Pour que comme ça, une fois qu'on en a fini avec le labyrinthe des souvenirs, on n'a plus que le combat de sang. Tout a été la fin, va être un petit peu moins passionnante que ça. Mais c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui ai joué les contenus. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour tout ça. Donc d'ici là, ciao!